Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour ce match avec Pierre Ménès. C'est un quart de finale aujourd'hui, Pierre. Oh, plaisir partagé, Hervé. Hein. Quart de finale de bouclier, en effet, la pression monte petit à petit dans cette épreuve et l'écart de niveau entre les équipes se réduit. Nous ne sommes qu'à quelques tours de la finale. Quel enjeu, hein, ce quart de finale, Pierre. Il ne reste plus que deux équipes à battre pour aller en finale. Les joueurs ont sûrement cette pensée dans un coin de leur tête, c'est clair. Enfin, j'espère. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Dans les buts, on va retrouver Hugo Lloris, bien sûr. Clément Langlais sera titulaire en défense avec Raphaël Varane pour partenaire. Paul Pogba sera présent au milieu avec N'Golo Kanté. Et devant, Antoine Griezmann sera en charge d'animer l'attaque aux côtés d'Olivier Giroud. Ouais, les défenseurs qui enrayent cette action. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. Un ballon perdu par le Barça. Jordi Alba qui lui dispute ce ballon. Ouais, les bleus, cette touche. Pogba. N'Golo Kanté. Blaise Matuidi. On cherche la faille dans la défense adverse. Kylian Mbappé. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. Encore plus évident quand on revoit les images, on était dans une situation de jeu nettement plus favorable pour l'attaquant que pour le gardien. Il n'y avait pas grand chose à faire là-dessus. Et l'équipe de France qui mène donc. Ah oui, mais si, superbe. L'attaque est propre, les ballons toujours en jeu. Griezmann. On s'approche de la zone de vérité. Griezmann. Luis Suarez la frappe à côté, juste à côté. Antoine Griezmann. Luis Suarez. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Le ballon en profondeur. Matuidi. Griezmann, c'est une balle de but, ça. Oh, le but, oui. D'abord, il y a cette belle circulation de balle. Après, le buteur est parfaitement lancé et il n'y a plus que le gardien à battre. Il n'y a rien à acheter dans cette action. On revoit sur ces images, le gardien n'a pas grand-chose à se reprocher sur ce but. L'action est bien amenée et à cette distance, il aurait fallu un miracle pour qu'il arrête le ballon. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Et Suarez. Samuel Umtiti. Jordi Alba. Intervention de Paul Pogba, sanctionné par un coup franc. Français qui reçoit un carton jaune pour cette intervention illicite. Ouais, attention maintenant, parce que ce serait bête de se faire expulser. Mbappé. Ah, la passe en profondeur, attention. Antoine Griezmann. Benjamin Pavard. Paul Pogba. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Le patron du milieu de terrain de l'équipe de France en Russie. L'un des tout meilleurs au monde désormais. Oui, et puis c'est très rassurant de voir un joueur finalement aussi obscur sur le terrain atteindre un tel niveau de popularité. Par exemple, Deschamps qui joue au même poste, en tant que joueur, n'a jamais eu cette popularité, mis à part le fait qu'il était capitaine. Messi. De Suarez. Toujours Griezmann. Suarez. Pas de souci pour le gardien. Un corner à suivre pour le Barça. Un corner joué en deux temps. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Touche en faveur du Barça. On s'approche un peu des buts. Il faut trouver une option disponible.
Attention, il a réussi à passer. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Ouais, bon. Oh, c'est bien donné en profondeur. Griezmann. Ouais, bien arbitré là. Le Barça qui poursuit son action malgré la faute. Bien dégagé hein, ce ballon qui était dangereux. Ouais, faute de Gérard Piqué. Un coup franc. N'Golo Kanté. Paul Pogba. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Allez, Pogba qui poursuit son action. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Paul Pogba. Ah oui, hors jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Jordi Alba. Un ballon perdu par le Barça. Antoine Griezmann. Il a gagné son duel dans la surface. Luis Suarez. Messi. Messi. Ah oui, le bon ballon donné par Léo Messi. Lloris qui remporte. Barcelone qui marque. Un but inscrit en deux temps, hein, Pierre. Premier ballon repoussé. Hein. Le gardien n'a pas le temps de réagir. Et 2-1 donc maintenant. Griezmann. Antoine Griezmann qui appartient au cercle très fermé. Kylian Mbappé. Il s'est retrouvé un petit peu perdu au milieu de tous ses joueurs. Ah, excellent pressing des défenseurs. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Benjamin Pavard. Mbappé. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Kylian Mbappé. Ter Stegen, attention, l'action qui se poursuit. Le gardien qui récupère le ballon après une première intervention exceptionnelle. Quel arrêt! Oui, ça, on peut dire que ça rassure une défense. Oui, Suarez. On s'approche de la zone de vérité. Griezmann. Est-ce qu'il n'a pas capté? Ah oui, il l'avait. Et tout est à refaire avec cette égalisation. Ce match de bouclier n'est plus du tout le même, évidemment. La confiance est peut-être en train de passer en face. Le gardien qui repousse une première fois, mais il ne peut pas non plus faire des miracles à répétition. Hein. Ouais, je crois qu'il n'a pas vraiment le temps d'être bien sur ses appuis au moment de la deuxième reprise. Deux partout entre les deux clubs, c'est vraiment serré. Matuidi. Kylian Mbappé. Et corner, peut-être pour prendre l'avantage. Allez, pleine surface, le corner de Gris. Le gardien qui s'interpose sur cette tête. La fin de la première période. Une première période assez riche en buts, hein, finalement. Déjà 2-2 au score. Ah, le joli coup d'accélérateur là, des visiteurs juste avant la mi-temps. Ah, le moment ne pouvait pas être mieux choisi. Avec un but de retard à la pause, ils n'auraient pas été dans les mêmes dispositions, c'est sûr. La seconde période de ce match. Et on se demande bien qui va pouvoir l'emporter. C'est très équilibré pour l'instant. Raphaël Varane, Clément Langlais. N'Golo Kanté. Messi. Messi qui perd le ballon. Ouais, bien joué la passe en profondeur d'Olivier Giroud. Ter Stegen qui n'a pas capté le ballon. Avec ces stats, c'est encore plus clair. On assiste à un vrai beau match de foot avec des occasions à l'appel de part et d'autre. Blaise Matuidi.
Le centre, Giroud pour le reprendre peut-être. Ter Stegen, attention, l'action qui se poursuit. Pogba. Paul Pogba, le bon ballon en profondeur. Ouais, c'est dégagé et ce sera un corner. Allez, pleine surface, le corner de Griezmann. Et la frappe qui trouve la barre. Ah, la barre qui tremble encore, quelle frappe. Non, elle est interceptée cette passe. La voie est libre. Il s'enfonce. Kylian Mbappé. Et le gardien qui remporte son duel. Ouais, les défenseurs se sont fait avoir, mais pas le gardien. Attention à ne pas avoir de regrets à la fin du match. Cette équipe devrait mener à la marque, là. Les Blaugrana qui ont le ballon. Oh, c'est intercepté par Paul Pogba. De Jong. Messi. Piqué dans l'axe. Voilà, il a récupéré le ballon. C'était chaud là. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Blaise Matuidi. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Messi. Olivier Giroud. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Griezmann qui continue de progresser. Griezmann, le gardien qui nous sort un arrêt de grande. Ouais, c'est peut-être plus prudent de le faire sortir parce qu'il a pris un jaune, on ne sait jamais. Un gardien qui repousse du point. Dembélé. Ousmane Dembélé, tout jeune, déjà champion du monde, rappelons-le quand même. Mais aussi un peu fragile sur le plan musculaire. C'est lorsqu'il est en forme, il est capable de faire des choses incroyables. Griezmann. Ouais, la belle passe de Luis Suarez, magnifique. De Lloris, oh, magnifique le réflexe. Il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Ce sera une touche pour l'équipe de France. Blaise Matuidi. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Avec De Jong. Bien donné encore une fois. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Le ballon qui a été contré. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. C'est un adversaire qui récupère cette passe. C'est donné en profondeur. Antoine Griez. Allez, il y a de l'espace devant lui. Ouais, s'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Oh, il attrape le montant. Encore un arrêt magnifique pour le gardien. Oh, le gardien s'est complètement raté. Matuidi. Ter Stegen, qui n'a pas capté le ballon. Samuel Umtiti qui vient donner de l'air à ses coéquipiers en dégageant. Ah oui, le bon ballon donné par Léo Messi. Ousmane Dembélé. Griezmann. Nabil Fekir. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Et la remontée du terrain qui se poursuit. On se dirige vers un match nul pour les deux équipes. Il ne reste que peu de temps pour les départager. Ouais, mais tu vois, avec un match nul de haut niveau, on se régale. Le Suarez. Oui, le bon ballon là de Luis Suarez.
Il ne prend pas le couloir finalement. L'arbitre. Ah oui, la bonne passe. Oh le voilà ! Il laisse l'adversaire prendre un but d'avance dans ce match du bouclier IE. Attention, attention à ne pas se laisser endormir. Il faut surtout pas que l'adversaire puisse poser son jeu. C'est surtout ça qui est primordial maintenant. Ah, on le sait, avec le Barça, le danger peut venir de partout, à tout moment. Ils ont toujours des ressources pour mener ce genre d'action. Au bout et même en fin de match, c'est souvent comme ça qu'ils font la différence. C'est un double changement auquel on va assister, un recadrement tactique peut-être. Griezmann, N'Golo Kanté, Matuidi, encore Matuidi, Kanté, Tekir, Griezmann, c'est une balle de but ça. Stegen, attention, l'action qui se poursuit. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Ousmane Dembélé. Griezmann, la frappe. Contrée. Antoine Griezmann. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ouais, pas très bien joué ce contre. Ça a été trop lent et l'adversaire a le ballon désormais. Griezmann. Nabil Fekir. La frappe. Et c'est l'égalisation qui s'envole et ce coup de ballon aussi. On peut peut-être avoir d'autres occasions, mais à un moment donné, il va falloir faire preuve un petit peu d'efficacité aussi. Hein. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Nelson Semedo. Il résiste bien, hein. Bien campé pour protéger son ballon. Clément Lenglet. Allez, c'est la dernière action, ils doivent marquer. Le ballon qui va revenir à l'adversaire. Allez, c'est terminé. Les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires à présent puisque l'arbitre a sifflé. Allez, ça y est, c'est terminé. Le FC Barcelone qui va donc être éliminé en quart de finale. Ouais, il a collé le Barça là. Hein. Ils sont jamais parvenus à se libérer et face à un adversaire plutôt bien organisé, bah, c'est devenu compliqué. Cherche la faille dans la défense adverse.